Bonjour à tous, c'est Miniraptor SS33 et aujourd'hui un monstre pour une nouvelle vidéo sur enfin la suite du livre Jean-Louis Fournier. Donc, Jean-Louis Fournier, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire rigolote garantie, quoi. Bon, on commence avec cette fois, ça va être voilà, chez les poissons. Alors, voilà. Qui a dit que je sentais le poisson? Bon, alors. Madame Poisson dépose ses œufs dans un trou qu'elle a creusé au fond de l'eau et part au cinéma avec ses copines. Puis Monsieur Poisson, avant d'aller au bistrot, fait un crochet vers les œufs et il arrose avec sa laitance. Ensuite, poisson aussi con qu'un homme grenouille. C'est quoi ce truc-là? What? Mais c'est quoi? C'est de la merde! La carpe muette. Je me préfère me taire que dire des conneries. La carpe est un poisson d'eau douce. Elle est muette parce qu'elle a peur de dire des conneries. Alors, elle reste la gueule ouverte sans rien dire. La tête de la carpe. Elle est percée de deux yeux. Quand la carpe a du chagrin, elle ne voit pas ses larmes et se mêle à l'eau de l'étang. La carpe a souvent la bouche ouverte, ce qui lui donne un air un peu con. Ouais, j'avoue, c'est clair. Le tronc de la carpe, elle est armée par la grosse arête qui est la colonne vertébrale de la carpe. Sur la face ventrale se trouve une petite bosse percée de trois trous. L'anus, un trou pour faire pipi et un trou par où sortent les œufs. Chez les oiseaux, qui sont moins perfectionnés, il n'y a qu'un trou qui sert à tout. Le cloaque. Cloaque. Définition du cloaque. Trou pour faire pipi, caca et se reproduire. 18. Bon, quelques prénoms de carpe. Guenièvre, Raymonde, Berthe, etc., etc. On passe au final. Chaud. Bon, alors, déjà, moi, je vous cache ici. Hein. Alors, la roussette, à ne pas confondre avec la vache rousse. Les poissons pas mous. Les poissons pas mous. La carpe, elle ne dit rien, mais elle ne pense pas moi. Pas moi, hein, pardon. La truite, le poisson préféré des Schubert. Les Schubert, musicien romantique allemand. Le saumon, après avoir fumé sa pipe, le marin fume son saumon. La sardine, meilleure à l'huile qu'à l'eau. Le harangue. On raconte que c'est à cause de la transpiration des harangues que la mer est salée, mais ça n'a jamais été vérifié. La sole, elle est plate comme une limande. Elle peut servir de marque-page dans un livre. La limande, elle est plate comme une sole. Et maintenant, vous allez trop rigoler les gars. Est-ce que vous êtes prêts pour le méga final show? L'arrêt, souvent au milieu. Vous aura plu, donc dans la prochaine vidéo, je sais pas encore ce qu'on fera, mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo très rigolote de Jean-Louis Fournier vous aura plu. Ciao tout le monde!